RTL, à la bonne heure, Stéphane Bern. Je vous ai présenté toute l'équipe de la bonne heure, voici nos invités. Qui n'a jamais eu un moment d'égarement qu'il faut ensuite traîner comme un boulet pendant de longues années? Pourquoi vous regardez ça? C'est le mot boulet, je pense à votre moment d'égarement. Un président, par exemple, un soir, il enfourche une moto avec un casque faire 50 mètres. Moment d'égarement. Boum, on ne pense qu'à ça. Un premier ministre, par exemple, qui va assister à un match de foot dans un avion de la République, bah, ce moment d'égarement, et bah, il va le porter. Liliane Bettencourt qui distribue des enveloppes d'étrennes à des gens très bien. Long moment d'égarement. Ça s'appelle une maladie. Ça s'appelle la jamais. Cahuzac qui accepte de devenir ministre du budget. Moment d'égarement. Francis Lalanne qui parle à ses courgettes. Moment d'égarement. Ça doit avoir depuis longtemps aussi. Ou pire, quand il sort un album. Moment d'égarement. Tout se complique. Quand ce moment d'égarement concerne deux amis partis en vacances en Corse avec leurs filles respectives et que les forces d'attraction deviennent plus fortes que la raison et les liens d'amitié. En hommage à l'immense cinéaste et producteur Claude Berry, son fils a voulu retrouver ce moment d'égarement tourné en 77 avec Victor Lanoux et Jean-Pierre Marielle pour offrir cette magnifique partition à deux acteurs exceptionnels pris dans ce tourbillon des sentiments. C'est un régal de les voir pris dans cet engrenage infernal grâce au film réalisé par Jean-François Richet qui avait déjà fait tourner Vincent Cassel, votre partenaire dans Mesrine. Avec nous ce matin, au micro d'RTL, eh bien, l'acteur François Cluzet et le producteur du film Thomas Langman. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci Stéphane. François, merci, vous êtes donc à l'affiche de ce moment d'égarement aux côtés de Vincent Cassel, Lola Lelanne. On va parler des deux jeunes filles parce qu'elles sont absolument éblouissantes et bon casting. Et Alice Isaz. C'est un film de Jean-François Richet que vous produisez, n'est-ce pas Thomas? C'est la reprise d'un film donc, de Claude Berry réalisé en 77 avec Jean-Pierre Marielle et Victor Lanoux. Vous aviez depuis longtemps, Thomas, cette envie de reprendre cette histoire tournée par votre père et pour quelle raison? Alors c'est le seul film de mon père, donc de Claude Berry, que je pourrais refaire, et donc que j'ai refait, donc parce que je pense que c'est un sujet universel et que effectivement c'est une partition magnifique pour deux acteurs, que mon père avait déjà autorisé un remake qui avait été fait avec Stanley Donen et Michael Caine. Faute à Rio. Voilà, Blame It on Rio, qui n'était pas extraordinaire. Et je trouvais, et puis je suis aussi père d'une jeune fille, et ce sujet me touchait. Et j'ai depuis fort longtemps eu envie de le refaire. Donc j'ai fait appel à Jean-François Richet, avec qui on avait tourné Mesrine déjà. Et puis surtout à ce duo impeccable, Vincent Cassel et François Cluzet. François, vous aviez vu le film de 77? Oui, à l'époque, je l'avais vu, ça m'avait beaucoup plu. Et notamment, c'était les débuts dans les rôles principaux de Victor Lanoux. Oui. Il était stupéfiant. Il avait un jeu d'une modernité. Qui est votre rôle, Ça m'avait bluffé à l'époque. Mais vous aussi, vous avez. Enfin, les deux sont. Vous êtes absolument incroyable. On va parler de l'histoire dans un instant, mais vous avez. Parce que je sais pas. Enfin, on sait que vous êtes un immense acteur, mais son personnage est drôle à jouer, je pense. Hein, sinon. Oui, parce qu'il est évidemment à la limite du burn-out. Ce qui est grave pour lui, c'est que déjà sa femme est partie en vacances avec des copines à Ibiza. Oui. Ouais. Alors, évidemment, si elle était partie à Saint-Flour ou à Luchon, il se ferait moins de soucis. C'est très bien, Luchon. Oui, mais il se ferait moins de soucis qu'à Ibiza. Il y a de la concurrence. Pas les mêmes cures. Ensuite. Mais c'est vrai qu'ils sont très différents. Donc, c'est ça qui m'intéressait. C'était. En plus de la différence de rôle, puisqu'il y a évidemment deux parallèles différentes, mais François et Vincent Cassel, on ne les avait jamais vus ensemble. Et c'est ce qui m'intéressait, parce que c'est quand même les deux plus grands acteurs dont le public rêvait de voir ensemble, et on l'a fait. C'est vrai, et c'est formidable de les voir, parce que c'est les voir se dépêtrer comme ça dans cette situation inextricable. Parce que les situations sont réjouissantes pour jouer. Oui. Parce que Vincent joue vraiment la lâcheté, c'est-à-dire le refus d'avouer. Et moi, je lui demande, en tant que meilleur ami, de m'aider à trouver le salopard. Et c'est lui le salopard. Bon, enfin, je vais raconter l'histoire dans un instant, mais d'abord, il y a une énigme. L'énigme du jeudi, c'est évidemment une invention. On cherche une invention. Dans les années 1840, un certain Roland Hill, qui prenait son déjeuner dans une auberge, vit sa voisine, une jeune femme, refuser une lettre de son fiancé parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acquitter la taxe qui était alors due par le récipiendaire de la lettre et non par son expéditeur. Il paya la somme pour que la jeune fille puisse lire la lettre et il inventa ce qu'on appelait alors le penny black. Quelque chose est né, qui existe encore aujourd'hui dans tous les pays du monde.
De quoi s'agit-il ? Le timbre. Eh ben, oui. Un petit indice, donc. Alors, un petit indice. C'est plus qu'un indice. C'est un petit moment d'égarement. Alors, un petit moment d'égarement. Alors, si vous avez la bonne réponse, appelez au 3210 ou 74-900 avec le code bonheur par SMS. Ou imitez Thomas Langman. RTL à la bonne heure. Stéphane Bern. Alors, nous sommes toujours avec François Cluzet et Thomas Langman. François, vous jouez donc le rôle d'Antoine, qui, je raconte maintenant l'histoire, j'ai fait durer un peu le suspense, qui part en vacances avec son meilleur ami, Laurent, qui est joué par Vincent Cassel, et chacun avec sa fille, l'une à 18, l'autre 17, ou, c'est ouais, ça. Et dans une maison dans le sud de la Corse, une vieille maison de famille. Et, alors vous avez déjà un tempérament corse, hein, on le sent. faut plus pas corse que corse. Oui, il ne faut pas vous chercher. Hein. Ah non. Ah non. Vous, avez connu, vous avez le coup de fusil un peu facile. Bien sûr. Oui. Bah, les sangliers surtout font des ravages. Les sangliers, oui. Vous êtes, alors, on le disait, vous êtes un peu tendu dans le film. Mais un peu, oui, vraiment tendu. Il faut dire, bon, votre femme a voulu faire des vacances séparées à Ibiza, ouais. Et ce qui vous agace, évidemment. Et on sent quand même, derrière certaines grimaces, certaines mimiques, que vous êtes follement amusé à jouer ce personnage très suspicieux. Mais Vincent et moi, on s'est beaucoup amusés, les filles aussi, Lola Lola, Nalice Cisas. Pourquoi ? Parce que les situations sont très drôles. Et puis, le remake, si on peut en parler, à vrai dire, l'adaptation a bougé. On l'a amené vers une comédie. Le seul drame, c'est le fond du film, c'est-à-dire ce moment d'égarement. Mais à vrai dire, Richet pensait que le plus intéressant, surtout pour une comédie, c'était l'amitié et la trahison de l'amitié. Exactement. Évidemment, toutes ces situations, elles sont très drôles à jouer. Oui, mais c'est vrai que cette trahison, on peut rappeler, on peut le dire, votre fille va avoir une aventure avec la seule personne que vous ne soupçonnez pas, c'est votre meilleur ami. Et vous lui demandez de vous aider à enquêter pour savoir qui est Il est coincé, lui. Et donc, lui, il est coincé. Il a 45 ans, qui a pu avoir une histoire avec sa fille. Voilà, exactement. Et il lui dit, tu vas m'aider. Oui. Et pour l'encourager à m'aider, je lui rappelle toutes ses qualités. Toi, tu es un type franc, tu es sincère. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Oui. Et du coup, le film, c'est à la fois... C'est l'amitié, la trahison de l'amitié, les rapports père-fille aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que partir, beaucoup de pères qui nous écoutent et qui partent avec leur fille en vacances, c'est peut-être ce moment où aussi on peut créer un lien. Il y a Lisa Azuelos qui a participé à l'écriture. Oui. Donc c'est vrai qu'elle a aussi ce ton par rapport... Pour les filles, pour les femmes. Oui, enfin, qui a adapté avec Jean-François Richer même. Et elle a, c'est vrai, cette justesse de ton par rapport aux jeunes. Et ils font très vrai pour moi les deux personnages de filles. Et puis, la différence d'âge aussi. C'est vrai que beaucoup de jeunes filles très, très jeunes s'amouragent d'hommes un peu plus mûrs. Et le contraire aussi. Il y a eu Perfect Mothers. Oui, mais non, je ne parle pas de Jean-Luc Lay. Pas non plus. Vous n'avez pas de Julien. Oh non. Ah non, mais il dégaine. On dit un nom et Alex, il dégaine. Laissez Jean-Luc tranquille. Ça veut dire qu'il écoute du Jean-Luc Lahaye en cachette. Il est déjà dans sa machine. Non, mais c'est vrai. Y a la différence d'âge est intéressante aussi. Cet homme de 45 ans qui a cette aventure avec cette jeune fille... De 50 même. De 10, hein. Oui, 50, de 18. Ouais. J'ai rajeuni tous, moi. Ce qui est bien, c'est que c'est un vrai moment d'égarement. C'est-à-dire que ça n'a eu lieu qu'une fois, en fait. C'est la différence avec le premier film. Ce qui est mieux, d'ailleurs. C'est beaucoup plus crédible. Plus crédible, oui. Oui, parce qu'il est très emmerdé, quoi. On sent qu'il a été harcelé par cette jeune fille. Quand il y a les mots bleus dans le film, quand vous découvrirez le film, quand il est sorti de cette nuit et qu'il rentre chez lui, j'aime beaucoup cette scène, il faut avoir vu le film, mais il y a les mots bleus. Et là, on comprend sur le visage de Cassel que... Qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Il a merdé totalement. Totalement. Mais en même temps, c'est de sa faute. Bien sûr que c'est de sa faute. Oui, mais la fille, elle voulait vraiment. Elle est tombée amoureuse, elle. Ah oui. Mais l'adulte, c'est lui. Méfiez-vous, il va pas tarder à raconter la fin, je le connais. Non. Bon, ça se passe bien, la preuve, ils sont là. On va parler des sangliers tout à l'heure, c'est fait. Alors, mais il vous est arrivé, François Thomas, de vous retrouver dans des situations où vous étiez bloqué comme le personnage de Vincent Cassel, pas forcément pour ces mêmes raisons. Mais quoi qu'il fasse, il parle pas, c'est la catastrophe. Oui, bien sûr. Ouais, ça m'est arrivé encore hier soir. Je suis tombé amoureux fou d'une femme de 120 ans. Jeanne Calment, sort de son corps. Ah non, pas ça. Pas la farandole. Pitié. La farandole. Vous avez la farandole de Jeanne Calment. Est-ce que vous avez déjà entendu la farandole de Jeanne Calment? Il faut entendre ça une fois dans sa vie. Hein. Il faut l'entendre ça. Ouais. Alors, on dit toujours, Thomas, que vous avez le nez creux. C'est-à-dire toujours, vous tombez sur des films formidables. The Artist. Hein, c'est vous, Mesrine, c'est vous encore. Enfin, comment vous faites
C'est, vous êtes en même temps acteur, réalisateur, vous savez tout faire, mais producteur, ça ne s'improvise pas. Comment on tombe sur des pépites? C'est quand on lit le scénario. Bien sûr, je fais des échecs aussi. Ah oui, mais on en parle moins. On en parle moins. On n'en parle plus. Ça va être plus rare quand même. C'est plus rare, oui. J'ai la chance d'avoir un peu de baraka, mais, ouais. Mais sur celui-ci, je pense que la baraka, elle vient un peu du ciel. Je crois que mon c'est père, votre père qui vous aide. Mmh. Oui, je crois qu'il va avoir envie de rappeler à tout le monde qu'il est un petit peu abonné au succès. Mmh. Et c'est quoi le boulot d'un producteur? Parce qu'on ne sait pas très bien. C'est de trouver de l'argent, c'est d'initier le projet, c'est de trouver le réalisateur, les acteurs. Il y a plusieurs manières de produire, selon les personnes et puis selon les films. Dans ce cas précis, c'est d'abord l'envie de faire ce film. Ça fait longtemps que j'en parle à François, ça fait longtemps que j'en parle à Vincent. Et puis... il y arrive le bon moment, le bon metteur en scène. Donc, c'est artistiquement réunir tous les personnages clés. Oui. Et puis, effectivement, ensuite, le financer, donc aller chercher l'argent. Et puis après, s'occuper de la sortie, avec le distributeur, évidemment. Donc, accompagner les films jusqu'à ce qu'ils... Absolument. Vers le succès. Motiver tout le monde. Et... Mais c'est vous, par exemple, c'est le producteur aussi qui s'occupe avec le réalisateur du casting. Toutes ces deux jeunes filles, par exemple, qui sont absolument merveilleuses. Alors ça, c'est vraiment Jean-François Richer. Oui. Qui a eu le nez creux. Il y a un gros casting. Et qui a trouvé hein. Lola Lelan, qui est formidable. Alice, on la connaissait un petit peu. Oui. Et elle est formidable. C'est franchement... on voit le plaisir qu'ils ont à jouer tous les quatre. Et il y a deux jeunes actrices et deux acteurs qui ont un plaisir, qui sont complètement sur un pied d'égalité. Moi, j'aime bien parce que ça me faisait penser à Devers et Depardieu ou à Lanvin oui, et Giraudot. Bah ouais. Vous savez, quand il y a complètement deux stars qui ils sont complètement à égalité, ils ont envie de jouer ensemble et de jouer de leurs différences. Et ils prennent plaisir et ça se voit vraiment à l'écran. C'est comme deux fauves en fond. On se dit, mais comment ça va se passer? C'est deux fauves. Deux fauves. Mais ça vous fait rire, je vous vois, parce que on vous a vu comme président de la cérémonie des Césars. Vous avez du recul sur ce métier, François? Tout le monde en a. Dès que vous avez un tout petit peu, un peu de bouteille, vous dites que la vie... Chabrol, il disait toujours un truc quand on tournait un film, il disait « Hey les gars, n'oubliez pas que la vie tourne. » Hein, ça voulait dire aussi, n'oubliez pas de vivre pendant qu'on tourne. On sort de ce vase clos, quoi. Ça, c'est intéressant. Et puis, moi, j'aime bien être en manque. C'est-à-dire que quand j'ai tourné un film, j'aime bien attendre d'avoir à nouveau envie de jouer. Et c'est cet état de manque qui me donne de l'énergie et de l'envie de jouer, quoi. Donc là, quand le film s'est présenté, j'étais très content d'abord de retrouver Cassel, ensuite pour la première fois de travailler avec Langman et de former une espèce de couple, comme vous le disiez tout à l'heure, où aussi les relations père-fille sont totalement différentes d'un père à l'autre. Oui. Lui, il est plutôt, comme il le dit Vincent, la copine de sa fille, et moi dans un rapport très fusionnel, c'est-à-dire un peu ma petite femme. Il ne faut pas y toucher. D'où évidemment cette jalousie, son craquage de nerfs dès qu'il apprend que sa fille... Et qu'il s'était sa fille s'était engagée auprès de lui de le tenir au courant le jour où elle passerait à l'acte. Ouais. Et ben voilà. Bien c'est sûr fait. Qu'elle allait le faire. Manque de peau, elle n'a pas choisi le prétendant. Stéphane Bern, à la bonne heure, sur RTL. Eh bien, nous sommes toujours avec le merveilleux François Cluzet. Parce que, il faut que je vous le dise, comme acteur, on le sait, vous avez l'occasion de le voir au cinéma, c'est un acteur formidable. Mais comme être humain, comme... formidable aussi. Franchement, j'ai eu peur. Vous ne me connaissez pas. Peur, si je vous... C'est une preuve que vous ne me connaissez pas. Si. Il a toujours été... Vous êtes d'accord, Thomas? Il est admirable. Oui. Non, franchement. Sérieusement. Pour moi, je veux vous dire, c'est une histoire d'amour, je l'aime. Oui, mais je peux comprendre. Eh bien, j'ai des rumeurs le concernant. Les rumeurs du net. Il paraît, François, que vous adorez les cascades et même parfois vous refusez d'être doublé. Vous aimez bien les faire vous-même. Alors, c'était ma spécialité quand j'étais à l'école, et notamment au collège Stanislas. J'essayais d'entraîner mes copains pour faire des cascades dans la classe. J'étais très, très fort pour me casser la gueule d'un bureau à l'autre et tout ça. Et je pensais que j'allais faire une carrière dans les cascades. Et finalement, je me retrouvais dans les films d'auteur, où il y a une autre cascade, mais pas celle que je pensais. Comme Georges Simenon, que vous admirez, vous avez une passion, non pas pour certaines femmes, mais pour les crayons et les tailles crayons. C'est vrai. Oui, j'aime bien prendre les notes et écrire avec les crayons. Et alors, dans les hôtels, je chourre tous les crayons noirs. C'est vous. Mais vous savez dessiner? Ah non, pas non, du tout, j'en ai rêvé. C'est juste le plaisir de voler, en fait. Oui, exactement. Les crayons. Vous êtes heureux sur scène, vous êtes heureux en tournage. Vous comprenez pas les acteurs qui râlent en disant
j'en peux plus, je suis fatigué. J'ai jamais compris ça. Soit les acteurs qui sont pas heureux quand ils arrivent sur un plateau de cinéma, s'ils sont acteurs, et, ou sur scène, ou au théâtre pour jouer, enfin, je sais pas. Ou alors l'acteur qui fait la gueule quand il monte dans un jet privé aussi. C'est ça, c'est toujours, c'est toujours un effet incroyable. Genre, j'en peux plus, j'en ai marre. On m'a tué, on m'a donné trop d'argent. En même temps, ça donne un genre, c'est classe. J'avais connu des comme ça, hein, ah oui, qui avaient reçu des fortunes et qui m'ont... Qui m'ont... Oh, Astérix m'a tué, j'ai reçu trop d'argent. Ah, non, ça vous arrive pour le prochain film. Il vient de le dire. C'est bon, on sait qui. Vous êtes trouvé votre épitaphe pour plus tard, hein, pour le plus tard possible. Avant de s'éteindre, il était bien allumé. Pas mal. C'est drôle. Ouais, c'est bien. Il y en a une que j'aime beaucoup, je la garde, c'est « Je vous avais bien dit que j'allais pas bien ». Vous aimez bien l'idée de ne pas être attaché au confort, à des objets, et de, du jour au lendemain, de pouvoir tout quitter, tout abandonner. Oui, ça, ça doit être une part un tout petit peu romantique chez moi, mais ça, il y a 80 ans de ça. Ça a changé depuis avec le temps. Maintenant, il me faut mes coussins, ah oui. Ma bouillotte. Oui, on s'en bourgeoise un peu. Vous savez, luxe, ordre, calme, évolue. Un jour ou l'autre, on n'a plus que ça en tête. On y vient. Thomas, j'ai quelques rumeurs vous concernant. Il paraît qu'un jour, Francis Ford Coppola avait demandé à sa fille de faire une chose incroyable sur vous. Me pisser dessus, c'est ça? Oui. Ah, quand même. Bah, oui, oui, je m'étais fait piquer par une guêpe. Ah, bah, d'accord. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On m'a pissé sur le petit doigt. Ah oui, très bien. Et ça a marché? J'ai l'impression. Oui. Mais c'est longtemps. T'as pas voulu que ce soit lui, quoi. T'as préféré que ce soit sa fille. Et lui, il réalisait pendant ce temps-là. Il a filmé la scène. Et il a dit à sa fille, pisse-lui sur le petit doigt. Et comme j'étais déjà très amoureux. Très amoureux d'elle, oui. Ça m'a un peu gêné. Oui. Bah, on imagine. Vous auriez été un temps le chauffeur d'Al Pacino, c'est vrai? C'est vrai. Et lui aussi, vous a fait pipi sur le petit doigt? Non, mais il n'y avait pas de GPS à cette époque-là. Et donc? Et donc, en plus, je croyais vraiment en mon rôle. J'avais appris toutes les routes par cœur en Sicile pour l'emmener dans les restaurants, etc. Et après, comme là-bas, il était perçu pas comme Al Pacino, mais comme Michael Corleone. D'accord. Donc moi, je me posais, j'avais un costard, je me mettais bien sur la voiture et tout, avec un air sérieux, un peu comme le boulanger dans Le Parrain, vous vous souvenez? Oui, où oui. Je lui dis, vas-y, et l'air sérieux. Donc drôle. J'ai eu cette chance d'être le chauffeur d'Al Pacino. Il paraît que tout petit, déjà, vous étiez une sorte de leader. Vous étiez un peu le chef de bande à l'école. Je suis sûr que vous deviez vous faire élire représentant de la classe. Non. Non, pas même trop, pas. Mais j'étais en pension. Oui. Il m'est arrivé d'être dans une chambrée où il y avait Guillaume Depardieu, Alexandre Brasseur, Alexandre Bouling. Et on avait, c'était à Saint-Martin. Hein. Et on avait un censeur qui s'appelait Attar, donc on l'appelait Steak. Il nous mettait des grosses baffes. Et un jour, il nous a convoqués dans son bureau. Il nous a dit « Langman, Depardieu, Brasseur, je vais tellement vous dévisser la tête que le père Berry va vous mettre dans un film d'horreur. » Voilà, c'est ce que je vivais à l'école. Il est toujours en prison actuellement. Non, tout va bien. Ben, ça vous a plutôt bien servi. On va vous retrouver dans un instant. Patrice Carmouze a un quiz à nous proposer sur les remakes de films français. C'est dans un instant, dans la suite à la bonne heure sur RTL.